Salut les amis. Tu te souviens, en juin dernier, en pleine période des législatives, j'avais émis une critique vidéo à propos de Ruquier en utilisant un court extrait d'On n'est pas couché. La vidéo avait été très vue et très commentée pendant 24 heures environ avant d'être totalement bloquée dans le monde entier, censurée. La raison ? Les droits que je n'avais pas à utiliser ces images en question. Alors que sur YouTube et sur les autres plateformes sur Internet existent des milliers de vidéos reprenant des extraits et même des émissions complètes produites par France Télévisions. Elles, étrangement, toujours en ligne. J'ai alors reposté ma vidéo et vous avez été encore plus nombreux à la visionner. Depuis, aucun blocage. Jusqu'à hier. En effet, ma dernière vidéo, numéro 46, vient d'être bloquée. Elle aussi pour des raisons de droit sur un extrait utilisé, celui de l'émission web de Natacha Polony invitant Mélenchon. J'ai reçu un courriel me précisant que le détenteur des droits a visionné manuellement, donc physiquement, ma vidéo et a décidé de la bloquer entièrement dans le monde entier. Là, il faut savoir que dans ce cas, plusieurs possibilités s'offrent à cette personne. Elle peut par exemple demander à toucher les revenus générés par ma vidéo, c'est-à-dire une poignée de centimes, ou à ce que cette dernière, ma vidéo, ne soit plus monétisable et me priver donc de ces quelques centimes, ou que seules ces images soient bloquées, etc. Ce qui laisse ma vidéo en ligne. Mais non, elle a préféré la bloquer entièrement et partout, y compris vos commentaires et vos réactions. Franchement, quel danger sérieux représente une chaîne YouTube de 3500 abonnés qui justifie pareille censure ? Dans tous les cas, voici de nouveau ma vidéo, juste après cette petite intro, disponible aussi sur Facebook. Partage-la en masse, abonne-toi et exprime-toi de nouveau en mettant des pouces vers le haut et des commentaires. Merci. Salut l'internaute. C'est quoi le projet au juste ? La violence des faits et des réalités physiques, découlant directement des mesures et des politiques mises en place, prises par les gouvernements successifs depuis des décennies jusqu'à nos jours, là, n'est-elle pas suffisante ? Faut-il en plus subir quasi chaque jour la violence des insultes, des marques de mépris de cette élite médiocre dominante, de plus en plus à l'aise dans l'invective ? Tu ne le sais peut-être pas, cher internaute, mais je suis activement militant, d'autant de manières qu'il m'en est possible de pratiquer. Et je pense sincèrement que parfois, souvent, la fin justifie les moyens, quand il s'agit de tendre vers la justice. J'ai même été jusqu'à faire campagne cette année, des mois durant, après avoir été désigné candidat politique d'un groupe de militants gauchistes, forcément, aux législatives. Si tu veux, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Tout ça pour te dire que du monde, j'en ai rencontré et en rencontre encore énormément, dans des contextes différents et même parfois totalement opposés. En tant que simple citoyen, artiste, bénévole associatif, candidat politique, employé en entreprise et même patron. Oui, j'ai été à la tête d'un commerce de détail en centre-ville durant plusieurs années, il y a quelques années. Mais quasi toujours dans la galère, toujours précaire, hein, sinon c'est pas drôle. Et j'observe quelque chose qui m'a profondément marqué ces derniers mois, cette année. Un désenchantement global et un fatalisme abyssal. La question toute simple est la suivante. Est-ce que ces démonstrations de mépris ultra-médiatisées, émanant d'une pseudo-élite qui domine les 99% et donc insulte ces derniers alors qu'elle en est complètement dépendante pour sa survie, participent de près ou de loin à ce constat noir ? Oui, je le crois. Autant, on l'a vu, ces violences émanant de cette caste agissent comme un souffle sur le feu et ravivent les flammes des grèves et des manifestations populaires et citoyennes. Autant, ça abasourdit, ça sonne, ça blesse, ça divise par la colère et l'incompréhension résultant sur un rejet total de tout en bloc et un repli sur soi. En bref, on assiste à l'abandon par le peuple de son pouvoir démocratique de décision politique à une caste de voyous appelée élite. En même temps, les Français, au moment de voter, ne vont pas vers vous. Est-ce qu'ils n'ont pas encore atteint suffisamment une situation difficile ? Ça, c'est une vue. Ça, c'est le discours des gauchistes. C'est-à-dire, plus ça va aller mal, et plus les gens vont tout d'un coup se dire « Vive la révolution !» Ça, c'est l'histoire. Plus ça va mal, plus tu vas mal. Plus tu vas mal, plus tu ne sais pas quoi faire. Quand vous dites « Les gens ne se tournent pas vers moi », mais écoutez, à la fin, ça commence à être un peu pénible. Quand j'étais à 6%, les gens ne se tournaient pas vers moi. Quand je suis à 19% non plus. Enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a bien une mobilisation qui se fait. Il y a bien un mouvement. Sinon, ils ne s'acharneraient pas comme ça sur moi. Pourtant, qu'est-ce que je suis ? Regardez-moi, rien. Pourtant, ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils le savent bien de quoi ils ont peur. C'est que tout ça tient comme ça. Et que forcément, le système va s'effondrer. Nous vivons une période inédite de l'histoire de l'humanité. La plus longue période de paix jamais connue. La moins violente, la moins meurtrière de toute l'histoire. C'est un fait.
Bien que tu entends quotidiennement des gens autour de toi te dire que le monde est de plus en plus fou, de plus en plus violent, malgré les guerres et les conflits bien réels qui sont là actuellement sur la planète, il n'en est rien. C'est sans doute l'omniprésence des médias dans nos vies, de la culture de l'instantanéité et de l'info-spectacle qui nous donne cette impression. Cette sensation que tout part en vrille, que nous sommes face à une sorte d'immense rouleau compresseur que rien ni personne ne peut arrêter. Mais en réalité, c'est surtout que tout le monde le nourrit. Il y a même un facteur naturel qui nous rend plus perméables au défaitisme, au négatif, au drame. Consciemment ou inconsciemment, activement ou passivement, peu de personnes peuvent dire ne pas jouer le jeu, même chez les militants et activistes du changement. Et j'en ai vu, j'en connais un paquet en accord parfait avec des idéaux politiques humanistes qui se déplacent en Uber et commandent sur Deliveroo avec un iPhone. Je suis loin d'être parfait, mais je trouve ça incohérent et facilement modifiable, changeable, améliorable. Attention, je ne fais de procès d'intention à personne, juste un constat, auquel j'ajoute, comme à chaque fois, un détail primordial. Tout le système pousse tout le monde dans cette direction. Celle de l'exploitation des autres, des plus faibles, pour assouvir ses désirs à moindre coût, ce qui crée la précarité et la misère, qui occupe ensuite les unes des médias, qui enfin émeuvent tout le monde, exploitant compris. La boucle du cercle virtueux est bouclée, le serpent se mord la queue. Bien que sont nombreuses les personnes qui sont désormais dans une telle mouise qu'elles ne peuvent faire autrement, il y a bel et bien une énorme hypocrisie chez les autres. Ces autres, ces très nombreuses personnes, beaucoup d'entre nous, qui peuvent éviter ce circuit destructeur en faisant de meilleurs choix au quotidien. Car nous en avons bien souvent les moyens. Et à défaut de les avoir, les moyens, renoncer au superflu, si ce dernier a un impact négatif sur l'environnement, les hommes, les animaux, en gros sur la justice, car tout est lié. Mais encore faut-il vouloir entrer dans cette réflexion au quotidien, alors que ce n'est pas facile quand le monde te hurle en continu, qu'il est cool d'être méprisant, que le problème c'est les autres, et qu'il est ringard de réfléchir, de se questionner et de remettre en question, en cause, le système qui nous domine. Alors que le bonheur c'est simple comme un McDo Coca ou un week-end en Grèce avec EasyJet. Thatcher le disait, Macron nous l'impose, il n'y a pas d'alternative au modèle qui nous broie actuellement. C'est comme ça. Et s'il faut user de la force pour nous y contraindre, ils le feront. Ils le font déjà. Et l'usage de la force, de la violence, ne passe pas uniquement par les CRS en mode Robocop. Les mots, les choix d'un lexique précis font un cheval de bataille efficace. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. L'a-t-il prononcé en conscience? Je le crois, ouais. Mais pas pour se rapprocher des Français, comme on voudrait nous le faire croire. Non. C'est d'ailleurs l'explication officielle donnée par Castaner, l'amoureux du président, pour nous dire que on peut être cultivé, en parlant de Macron, et parler comme les Français. Traduction, nous sommes donc incultes et vulgaires. Ah merci, hein, c'est sympa. Mais aussi des fainéants, des cyniques, des illettrés, des névrosés, des extrémistes, des terroristes. Tous ces dires sont calibrés, pensés, écrits, prononcés, pour atteindre des objectifs précis. Toutes ces attaques, ces insultes répétées, cette catégorisation violente a pour but de segmenter, de diviser la société. Non pas pour réactiver une prise de conscience des classes, non, bien au contraire, elle est là pour entretenir et pérenniser la grande confusion de tout cela. En agissant ainsi, Macron fait de gros appels de phare à toutes celles et ceux qui sont ou qui se pensent de son bord, c'est-à-dire les bourgeois, les nantis, mais aussi et surtout la classe moyenne et les prolos égarés qui reprendront tous en cœur les éléments de langage, de pensée pour à leur tour s'attaquer aux personnes, aux catégories de personnes visées dont ils ont désormais peur. Tout ceci donne naissance et entretient une sorte de guerre sociale, irrationnelle, de tous contre tous, stratégie idéale qui permet au gouvernement de gagner du temps précieux afin de légiférer le plus rapidement possible. C'est-à-dire faire adopter toutes ces mesures, toutes ces lois ultralibérales, antisociales, écocides, liberticides, sans faire face à de vrais forts mouvements sociaux qui pourtant, à la vue des événements, seraient pleinement justifiés. C'est donc bien la stratégie du choc, de tout passer en masse, de tout péter, en même temps, d'un seul coup, qui d'ailleurs a été voulu par Fillon aussi, souvenez-vous, qui est en train de se réaliser, et qui fonctionne. Un réel coup d'état social. Pour preuve, ils viennent de céder en trouvant un accord avec les routiers en grève qui bloquaient le secteur des transports, et ces derniers ont tout arrêté, n'iront donc pas manifester le 10 octobre, totalement non solidaires des autres acteurs de la société.
Encore une parfaite illustration de la division qui règne partout, alors qu'il faut rester soudé pour pouvoir faire converger les luttes sociales et espérer changer les choses. Avant-hier, l'Assemblée nationale adoptait avec une large majorité la loi dite antiterroriste, qui est autant antiterroriste que le Parti Socialiste est socialiste. Hein, pour te dire. Nous voici désormais tous suspects, avec une loi qui donne d'immenses pouvoirs aux autorités les moins compétentes pour nous traquer, nous museler au moindre soupçon, sans aucun début de preuve. C'est dramatique. Voici donc un outil parfait et permanent, comme l'état d'urgence précédemment, pour s'attaquer aux opposants politiques, aux manifestants écologiques par exemple, et autres syndicalistes, de manière légale. Merveilleux. Amnesty International s'alarme des dérives déjà connues en France sur toutes les mesures de l'état d'urgence français, sur les 4551 perquisitions musclées ou encore les 612 personnes assignées à résidence depuis fin 2015, seulement 0,3% ont conduit à une enquête judiciaire sérieuse et fondée pour des faits de terrorisme. Adieu justice, bonjour totalitarisme. Les amis, il est temps d'arrêter de se morfondre ou de se complaire dans cette catastrophe qui ne cesse d'enfler en allant vers les autres et en agissant autant que l'on peut à chaque fois que nous avons un choix à faire. Allez, courage, bisous et abonne-toi.